La question est, est-ce qu'il y a de l'espoir? Je vais vous donner deux exemples qui sont séparés par une centaine d'années. Il y a un texte très curieux qui s'appelle « The Gospel of Wealth ». Ça veut dire « L'évangile de la richesse » de Andrew Carnegie, qui était un des premiers billionnaires, qui était un immigrant irlandais, qui était très pauvre quand il est arrivé aux États-Unis et c'est devenu un des grands billionnaires. Alors lui, il fait une réflexion, mais c'est intéressant parce que c'est une réflexion qui a fait école. Si on lit le texte, au début, c'est un peu du darwinisme social, mais c'est vraiment un texte de son époque. Mais d'un coup, ça prend un tour. Parce qu'il dit, bien, la vie, elle est comme ça, ça pourrait être autrement, mais il y a des riches et il y a des pauvres. Bien, jusque-là, bien. Mais sa réflexion qui continue est celle qui est intéressante. Alors bien, maintenant, vous êtes vraiment très riche. Alors vous avez quelques capacités qui font que dans ce monde-là, vous devenez riche par vos propres mérites, parce que lui, il parle aussi de sa propre expérience. Mais ce qu'il dit, d'une façon suivante, est très intéressant. Alors, cette richesse, en principe, ne vous appartient pas. Il faut la redonner à la société. Mais comment faire? Il y a trois moyens. Alors, vous laissez ça en tant qu'héritage, ce qui est une très mauvaise idée. C'est très intéressant. Okay, alors, de laisser, alors ça ne fait que des fainéants. Alors, toute la famille va s'entretuer avec toute cette richesse. Alors, c'est vraiment une bêtise. Et même, il dit, alors, taxer lourdement l'héritage, c'est une très bonne idée. C'est très curieux. Deuxième possibilité, vous laissez ça en héritage tout simplement à l'État, c'est aussi une mauvaise idée. Alors, c'est quoi la troisième voie? Que pendant que vous êtes encore vivant, vous gérez cette fortune pour la redonner à la société d'une façon utile. Alors, ce n'est pas seulement de donner de l'argent, mais de mettre en action tout votre talent pour faire des choses utiles, spécialement pour ceux qui veulent s'aider eux-mêmes. Et c'est curieux, parce que c'est ce qu'il a fait, et c'est pour ça que, pas seulement aux États-Unis, mais par exemple, si vous allez à Reims, en France, vous allez trouver une bibliothèque Carnegie. Alors, il a mis des petites bibliothèques partout. Parce qu'il a dit, ça m'a servi à moi, alors je vais donner les instruments pour ceux qui veulent s'aider eux-mêmes. Il n'était pas tellement dans la charité, mais il était dans donner les outils pour les gens qui veulent vraiment s'améliorer. Mais ce qui est plus intéressant que, disons, cette action, si vous voulez, unique, c'est que ça a laissé un précédent aux États-Unis. Du point de vue qu'on ne peut pas avoir une réussite sans redonner à la société. C'est actif jusqu'à présent. Et vous voulez aller la voir chez les acteurs, les actrices, n'importe qui a une réussite, vous allez voir qu'il est, elle ou lui est engagé dans des actions sociales. Par exemple, pour ceux qui aiment Paul Newman, moi je suis un fan de Paul Newman, vous pouvez acheter une sauce Paul, plusieurs sauces Paul Newman pour votre pâte. Alors, si vous aimez les pâtes, il y a des sauces Paul Newman et ça va de fond. Mais ce principe que je ne peux pas être quelqu'un sans redonner. Et un exemple pour moi, c'est un vrai disciple de Carnegie, c'est Bill Gates, qui est encore à un âge, disons, actif, a dit bien. Franchement, j'en ai assez. Maintenant, je vais dédier le reste de ma vie avec ma femme à faire des choses utiles. Je vais dédier tout mon talent de gestion, pas seulement mon argent, pour faire des choses utiles. Et il cherche, la Fondation Gates cherche des projets de grand impact. Par exemple, à un moment donné, ils étaient dans la vaccination, j'imagine qu'ils continuent. Ils disaient avec
quelques euros, je peux sauver une vie. OK? Et d'un coup, c'est Warren Buffett qui dit, bien, moi, je vais te donner ton argent. Moi, j'ai plus de confiance à toi que tu gères bien. Alors, pour moi, ce qui est très intéressant, justement, et c'est pour ça que je dis, si on lit le texte de Carnegie, au début, c'est pas sympa, mais ça, que ça crée un précédent extraordinaire. Et maintenant, je vais avancer à mon deuxième exemple. 100 ans plus tard, il y a un mouvement humaniste économique qui vient d'Autriche principalement, pas exclusivement, mais qui est très actif, par exemple, dans l'Academy of Management, et qui commence à faire une entrée. Moi, je viens de participer à écrire un chapitre pour un livre, pour une série de, si vous voulez, l'humanisme ou les valeurs humanistes dans le management. Et d'un coup, ces gens-là présentent un cadre différent, que ce ne sont pas les bénéfices qui doivent être en première ligne pour juger les actions des entreprises, mais leur contribution au bien commun. Alors, l'élément de base devient cet bien commun. Ils vont plus loin, ils disent, dans le monde économique, il faut savoir mesurer. Alors, il dit, on va créer un instrument pour mesurer. Pour mesurer quoi? L'impact aux différents niveaux, ce qu'on appelle stakeholders dans le monde de la gestion, ça veut dire la société, les employés, les clients, etc., tous les différents niveaux, de 5 principes. Et ces 5 principes sont la dignité humaine. Alors, comment mon action en tant qu'entreprise aide ou supporte, aide ou appuie la dignité humaine? La coopération et la solidarité, le deuxième principe. L'écologie durable. La justice sociale. Et la démocratie et transparence. Ce qui est très intéressant, c'est que ça ne reste pas au niveau des principes, mais ça entre dans le niveau des applications. Alors, si nous sommes sérieux, comment ça se traduit? Et en ce moment, il y a à peu près 2000 entreprises qui participent à ce mouvement. Il y a à peu près 6500 gens. Il y a plus de 60 politiciens. Et c'est vraiment quelque chose d'européen. Alors, c'est un légat européen qui commence à faire l'entrée. Est-ce que ça va changer le monde? Oui ou non? Parce que si on est dans le quantitatif, c'est clair que pour faire un grand impact, c'est une réalité. Mais si on change une personne, si on change un village, on a changé le monde. Alors, ce que je vois aussi du point de vue de mon expérience, c'est que dans cette transformation, on s'est rendu compte qu'il faut sortir du macro-discours, qui est un peu le discours des idéologies. Des idéologies qui existent toujours, mais qui représentent une pensée périmée. Une pensée qui ne va plus. Une pensée de la croissance éternelle qui est absurde parce que ça a un énorme coût de dégradation de l'environnement. Il faut commencer à penser plus petit. Mon village, mon quartier, mon voisin. Vous ne soignez pas 1 million de personnes. Mais cette personne qui vient et qui est devant vous, ça c'est le monde pour vous. Si vous faites un changement là, vous changez le monde. Alors je dirais que dans cette transformation, il y a une dimension qui est en train de changer, heureusement, qu'on sort de la masse et on redevient, et on entre de nouveau à l'humain. Ça veut dire celui qui est en face de moi et que je peux regarder dans les yeux. Et ça, je trouve, c'est un changement positif. Alors, ce que je voulais faire, c'est au lieu de parler dans l'abstrait, de dire qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de chercher une nouvelle voie. Okay? Et qu'il y a des gens qui, justement, sont en train d'essayer de faire le pont entre les grands principes que nous, on partage,
et les applications concrètes dans des domaines concrets. Merci.